bonjour tout le monde, c'est Raiko. Aujourd'hui, on va faire dans le gore le douloureux, l'insoutenable, car oui, ce fort-top va porter sur les morts qui font mal et qui donnent pas envie. Nous allons voir du PD18 poussé à son paroxysme, donc âme sensible s'abstenir, parce que ça va saigner. Allez, c'est parti. Et on commence avec Fear, sorti en 2005. Alors, qui a dit que les fantômes, ça faisait juste peur? En tout cas, dans Fear, les esprits en viennent aux mains et décident de posséder notre acolyte pour s'amuser un peu avec lui, en lui offrant une petite balade de mur en mur, de porte en porte, pour le moins douloureuse avant de lui accorder une mort plutôt brusque. Fine chin. On peut dire qu'ils ont l'esprit joueur, ces fantômes. Et on continue avec une mort cultissime dans God of War 3. Alors, quand on dit que Dieu est bon, bah dans God of War, rien n'est moins sûr. Hein. Même le dieu de la guerre est choqué par les punitions que son papounet inflige aux hommes. On se rappelle notamment de ce pauvre monsieur enchaîné qui se faisait dévorer le foie chaque matin, qui au passage d'inspirer du mythe de Prométhée. Bref, peut-être pour venger ces gens-là, mais surtout parce qu'il a ses raisons, Kratos va en faire baver au grand Zeus, le rouant de coups jusqu'à la mort, nous faisant profiter d'une scène en vue subjective au gameplay inédit et original que je vous laisse savourer. Et on va s'arrêter là, hein, parce que ça peut encore durer longtemps. Oui, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que vous pouvez frapper autant de fois que vous voulez. Ça s'arrête seulement quand vous avez fini de vous défouler sur le pauvre Zeus. Nous passons au numéro 2, la fatality de Noob dans Mortal Kombat. Dans le genre gore, on peut dire que Mortal Kombat n'est pas en reste. C'est une référence des morts horribles, et quand je dis morts horribles, je parle bien sûr des... Fatality. Une fatality dans Mortal Kombat, ça consiste à achever son adversaire de façon, disons, spectaculaire. Pour exécuter son adversaire, le fourbe se fait aider par son double et commence alors un écartèlement là où ça fait mal. Bref, on peut dire qu'il porte mal son nom, le noob, car en matière d'exécution dans la souffrance, c'est un véritable pro. Noob Saibot wins. Fatality. Et oui, dans Mortal Kombat, les combattants ont la malchance d'être très résistants et de pouvoir encore vivre une fois leur corps arraché en deux jusqu'au cou. Et ça y est, nous arrivons au numéro 1 de ce fort-top, une mort cultissime, j'ai nommé la mort de Isaac dans Dead Space 2. Il est vrai qu'au long du jeu, Isaac peut subir tout un tas de morts plus terribles les unes que les autres. Mais la pire de toutes reste quand même la suivante. Être attaché dans une machine qui vous garde les pupilles ouvertes et qui vous force à vous injecter 10 cm d'aiguille dans l'œil, il y a mieux comme situation. Mais le pire reste quand même la mort qui vous attend si vous ne parvenez pas à garder l'œil fixé sur l'aiguille durant l'opération. Je vous laisse admirer par vous-même. Ah, 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 ah.
C'est fort appétissant tout ça. Bref, ainsi s'achève ce fort top sur les morts les plus horribles. Surtout, donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis ciao bye bye, plus plus.